Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, aujourd'hui, on se retrouve pour un ciel de toit. Donc, vous allez voir sur les prochaines vidéos, certainement, la réalisation du ciel de toit. Là, donc, j'ai enlevé le ciel de toit du véhicule du client et je vais vous montrer comment on enlève la mousse. Donc, on a enlevé le tissu au préalable qui venait facilement. Je vous invite à regarder les photos sur Instagram ou sur Facebook. Et là, la solution la plus facile pour le nettoyer, c'est l'aspirateur. Tout simplement. Donc, ça va faire du bruit, mais je vais le laisser comme ça, je vous montre. Voilà, donc là c'était pour vous montrer. Donc comme vous voyez, il reste un petit peu, mais là à la main après. En fait, juste avec un chiffon, vous enlevez ce qui reste. Et vous avez un support qui est quand même très, très, très bien nettoyé. Le reste, vous pouvez toujours venir avec une petite brosse, éventuellement le faire. Mais déjà, le plus gros, vous pouvez le faire à l'aspirateur. L'essentiel, c'est de laisser un support propre. Pouvoir encoller dessus sans qu'il y ait de différence de matière, parce que sinon sur le vaigrage ça va se voir sur le vaigrage ou la pose de ciel de toit. C'est pareil, la seule différence c'est que dans le nautique ça va être un peu plus costaud, sur la résine ça va se coller davantage, mais voilà, sinon ça s'y prête assez bien. Alors bien évidemment, il y a plusieurs conditions qui vont être requises. Ça va être déjà l'année du véhicule, l'état du véhicule. Tout ça, ça va faire que ça va être plus ou moins facile à faire. J'espère que cette petite astuce, elle porte ses fruits. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire, nous soutenir. On a besoin de votre soutien pour continuer. Donc n'hésitez pas à nous adresser voilà, des petits mots qui font que, avec l'ensemble des membres du réseau, on continue à faire ce travail-là, qui est de vous proposer du contenu gratuit. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. On va mettre aussi d'ici peu une petite cagnotte pour voilà, pour nous laisser un petit pourboire pour acheter du matériel et pour toujours vous proposer quelque chose de sympa. Merci à vous tous, à bientôt, salut!